Allez, bonjour YouTube. Donc, chapitre 128 de Chainsaw Man, plat de résistance. Je sais pas ce que ça va être encore, mais. Hop. Allez, let's go. C'est vrai qu'on avait terminé sur l'objectif de Denji, le fameux objectif. Et d'ailleurs, la planche était encore plus drôle en anglais. Parce que ça, en fait, ça reprenait presque le même où t'as le japonais qui court sur la route, là, dans un tunnel, en criant « Sexe! Sexe! » Enfin, bref. Espèce d'obsédé, tu me débectes. Lâche-moi, je te dis, va mourir. De quoi? Mais y a rien de dégoûtant, le sexe, c'est le pied, c'est carrément le panard. D'ailleurs, c'est parce que c'est carrément trop bon qu'il y a autant de monde sur Terre. Si toi et moi on existe là maintenant, c'est le pouvoir du sexe, non? Ah putain. Si les gens se reproduisent autant, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre de leur vie. Rien qu'à penser à toute cette salive et cette sueur qui se mélangent, moi ça me file la nausée. Attends, tu dis ça sérieusement? Mais mélanger sa bave et sa transpire avec quelqu'un d'autre, y a juste rien de mieux. Je rêve. Tu crois vraiment que tu pourrais avoir des relations sexuelles avec un partenaire? Bah peut-être pas dans l'immédiat. Mais quand je serai grand, que je me serai dégoté une copine. Pardon? Non mais tu t'es vu? Non mais vraiment, c'est ça, c'est un incel et une femcelle, quoi. C'est vraiment. Puis entre à ça qui dit ouais, les gens qui baisent parce qu'ils ont rien d'autre à foutre de leur vie. Genre vraiment, vraiment c'est l'aigri de Zinzin quoi contre le débile là. C'est vraiment la meilleure dynamique. Jamais aucune fille ne voudra coucher avec un type qui a une tronçonneuse au milieu du front. Ah mais du coup c'est lui qui s Ah mais du coup c'est lui qui C'est lui qui l'entraîne en enfer du coup. Oh mais quel abruti, quel abruti. Ah oh, putain. Oh je suis mort. En fait il la sauve pas, il l'entraîne en enfer quoi ce débile. Ah putain, c'est le pire sauvetage du monde. Il y a à peu près 10 pages, il l'avait dans sa poche. Hein. Il a fallu qu'il dise une phrase, comme quoi il voulait que du cul. Et puis elle, du coup, elle a répondu la phrase qu'il fallait pas, et hop. Au lieu de sortir ensemble, ben, ils finissent tous les deux en enfer. Bref. Ah putain. C'est sûr qu'il vaut mieux être honnête. C'est quoi cette mise? Ah oui, le plat. J'aime beaucoup la mise en scène là. Encore ce truc de porte là. Oui, je sais quoi ça. Je me demande quel démon c'est ce truc-là. Ah putain, j'avais pas vu, il a plus de tête. Enfin, il vient de se faire décapiter. Bref. Comme il se remet à la tête. Tranquille. Bah attends, il est passé où? Enfin bref, peu importe. On va voir. Démon insectes? Oh, je sais pas. Après, il y a plein d'insectes différents, donc. Ah, j'avoue, ça fait un peu le démon Crousse, là, l'assiette. Parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. En plus, il fait tout noir, donc ça rappelle. Enfin, je sais pas. Les étudiants qui.
qui font des économies sur la facture d'électricité. Non, franchement, ouais, c'est. Ça ressemble un peu au démon Crous, hein. Et avec ce sentiment d'oppression qui rappelle les apparts du 8 mètres carrés. Enfin bref. Démon piqûre? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait marcher. Bref. La porte. Est-ce qu'il va ouvrir cette porte, putain? Tu n'entres pas dans la liste des ingrédients de mon plat, Chainsaw Man. Abandonne Asamitaka et je te renverrai chez toi. Qu'est-ce qu'il est con. Quelle obscénité. Attends, c'est Denji qui a fait ça? Ah oui. Attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, ah non. Non, me dis pas que c'est le faux Chainsaw Man. Attends. Ça va pas être le faux Chainsaw Man quand même. Parce que c'est vrai qu'il l'a pas du tout. C'est vrai qu'il l'a vraiment éclipsé de l'intrigue, quoi. Genre, il a mis une page. On n'en a plus jamais reparlé depuis. Tiens, décidément, c'est la journée où on me scie par derrière. Pour les clients qui ne finissent pas leur assiette, le démon chute est sans pitié. De crainte d'être tué, quiconque a commandé Asamitaka va sans doute désespérément chercher à la dévorer. Fuis avant que le soleil ne se lève, Chainsaw Man. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, ouais, c'était court ça. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Par contre, c'est vrai que les scies, elles sont giga longues. Fake Soman. Oh putain. Bah du coup, je sais pas du tout... La lecture était rapide, hein. Mais du coup, ouais, je sais pas du tout quoi en penser de ce faux Chainsaw Man. Parce que tu sais, on aurait dit que ça serait plutôt un ennemi ou quoi, mais... Visiblement, c'est peu... Enfin, il a l'air... Ça se trouve, c'est un fanboy du Chainsaw Man, je sais pas. Le démon Chainsaw. Bah, ça, il ressemble au Chainsaw Man. Donc, je sais pas, ça serait bizarre. Non, je pensais à un autre truc. Bah, ça doit être un truc à... Enfin, de toute façon, c'est pas un truc, je pense, qu'on peut prévoir, en vrai. Dans l'état actuel, enfin, là où on en est. Donc, tu vois. Mais tu vois, le faux Chainsaw Man, moi, je m'attendais à ce que ça soit un genre de démon, comment? Pas banal, mais tu vois, un truc un peu un électron libre, je sais pas, qui est pas trop de trucs, ou genre un démon copie ou une connerie du genre. Qui soit un peu un antagoniste et tout. Mais visiblement, c'est un mec qui est vachement balèze, parce que là, genre, il a littéralement ouvert... Non. Là, ils étaient en enfer. Ou là, il... Enfin, ouais, bref. En tout cas, ouais, le mec, il s'est quand même pointé, il a découpé le démon chute au calme en disant ouais je le connais, t'inquiète. Enfin bref. Et puis qui vient aider le Chainsaw Man et tout, qui le découvre. Enfin bref, c'est assez. Ça a l'air d'être un personnage assez important en fait. Donc ouais, c'est chaud. Je vois pas du tout ce que ça pourrait être.
Sinon, pour savoir, il y a des gens qui listent les trucs horribles qu'a dit Denji, genre le truc sur emporter la moitié du corps d'Assa. Bah, ça, c'était une blague. Question hors sujet, mais pour genre tes vidéos d'analyse, en gros, tu as lu combien de fois les œuvres pour Berserk? Ouais, enfin, c'est difficile à dire ça. Berserk, je l'ai lu pas mal de fois, mais pas non plus. Je pense que j'ai dû le lire 5 ou 6 fois, quoi. Mais par contre, une fois que tu bosses un sujet, ben tu relis pas entièrement, mais morceau par morceau, quoi. Genre, une petite page par là, tu dis, ah oui, tiens, il y avait tel truc à tel moment, tiens, je vais revoir ce que c'est, et puis voilà. Donc, tu peux pas vraiment dire, bah, j'ai lu un tel nombre de fois, parce que voilà, il y a beaucoup de passages que tu relis indépendamment du reste. Ça peut être toujours famine, on ne sait toujours rien sur ses pouvoirs. Bah, je sais pas, ça me paraît très bizarre. Genre, qui te paraît logique dans le fait. Enfin, qu'est-ce qui relie le démon famine avec le Chainsaw Man? Enfin, avec le fait de faire une copie d'un démon ou je sais pas. Ça me paraît très bizarre. Bref. Mais du coup, c'était. Ah, je viens d'y penser, mais c'était peut-être lui qui a donné son sang à Chainsaw Man tout à l'heure, le chapitre d'avant, ou encore avant, je sais plus. Parce que il me semble qu'il était fringué à peu près comme ça. Mais il avait un katana. Donc c'est peut-être pas lui. D'ailleurs, je viens de voir, mais il a bien une scie sur la tête, enfin, je pense. Parce qu'on voit la scie au milieu là. Non, je pense pas que ce soit le mec qui a fait de la chirurgie, parce que quand même. je pense que. Enfin, je sais pas, ça me paraît très bizarre. Ou alors il cache bien son jeu, tu vois. Et non, je pense pas que ça soit Yoshida non plus. Il a pas le flegme de Yoshida, et puis je pense que Yoshida, il a pas de pouvoir comme ça. Ah oui, bien sûr que le démon chute est pas vaincu. Hein. De toute façon, ça se voit, c'est des démons, tu peux les découper en morceaux 50 000 fois, ils vont se remettre d'aplomb en 2 secondes. Je suis même pas sûr que le chapitre suivant, le démon chute va pas se. Comment? Je pense que le chapitre suivant, le démon chute, il va continuer à attaquer direct. Hein. Et que ça se trouve, ben, le faux Chainsaw Man, il va continuer à se battre contre le démon chute en s'enfermant dans l'enfer jusqu'à ce que. Ouais, Denji se barre, quoi. Ou un truc du genre. Et oui, ces scies sont plus longues. Oui, mais c'est vrai que Yoshida est assez cheaté sans avoir besoin de ça en plus. Bref. Mais ouais, du coup, je sais pas ce que ça va être. Ah oui, c'est vrai que la lancée de un chapitre par semaine vient de s'arrêter là. Du coup, attends, ça fait le 10. Ouais, ça sera le 9, quoi. C'est dans 2 semaines. Donc, prochain chapitre dans 2 semaines. Bah, c'est bien, ça fait une pause à Sioux. Enfin, à Fujimoto. Puis d'ailleurs, c'était un chapitre que de 15 pages, quoi, donc. Je pense qu'il doit en avoir un peu marre. Donc voilà, on verra. Neji Amuri, sa vision du sexe, sa façon de le dire, c'est pas sain. Je pense que sa relation avec Asa pourrait le faire réfléchir sur sa vision des filles en général aussi. Ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que ça va se faire progressivement tout ça, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que ça reste un pouilleux qui a toujours vécu dans les poubelles et qui commence tout juste à sociabiliser, quoi. Et pour l'instant, quoi, qui a eu pour seul modèle les conseils de Makima. Donc bon. On aurait pu faire mieux, quoi. Enfin bref. Voilà, donc super chapitre.
Je vais pas pousser le live plus loin que ça parce que voilà, on est déjà. Enfin voilà, je voulais pas trop traîner. Et puis voilà. Je vais couper l'enregistrement, mais on va rester un peu en live pour discuter vite fait. Bon allez, salut YouTube.